to me, you wrote to me, this is suddenly. So young the night, she was much younger than the other, feeling like a prisoner there in the light. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. On se retrouve pour la suite du 100 Baby Challenge, l'épisode 4. Et comme d'habitude, les épisodes sont postés le mercredi et le vendredi à 17h30. Voilà, parce que vous êtes nombreux à me demander c'est quand la suite, mais c'est toujours au même moment de la semaine, voilà. Et comme vous pouvez constater dans l'intro, nous sommes occupés un petit peu des petits bébés, voilà, des petits jumeaux, Angelina et... Angela, pardon. Pourquoi Angelina? Mais ça aurait été sympa comme idée, Angelina. Angela et Angelo, hein, des jumeaux de Angel. Ça fait beaucoup d'Angel, hein. Mais bon, je trouvais ça marrant, je trouvais l'idée marrante. Du coup, on va continuer. Alors le but, je rappelle, du 100 Baby Challenge, c'est de faire plein de bébés. Mais là, vu qu'on a les jumeaux, on va peut-être attendre un petit peu avant de retomber enceinte. Au moins qu'ils deviennent enfants. Après, on pourra... Voilà. Mais pour l'instant, avant qu'ils soient enfants, je ne referai pas de bébé. Parce que sinon, ce serait trop compliqué. Comme vous pouvez le voir, des fois quand je joue aux Sims en live, je galère déjà énormément. Donc voilà. Je galère. Alors les bébés, on vient de s'en occuper. Ça serait bien d'aller chercher un petit peu des cailloux autour, hein. Gagner de l'argent, quoique. Alors je pense que vous m'aviez dit dans les commentaires que c'était à partir du... à partir de 8, on peut commencer à composer, et c'est seulement à partir du 9e niveau que... Enfin niveau... Bon, on peut dire ça, niveau, level d'aptitude. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut commencer à gagner de l'argent grâce au piano. Du coup, il va falloir quand même que je sorte vite fait chercher des petits cailloux, parce que quand ils viendront bambins, ça va me coûter cher tout ça. Ça va me coûter quand même pas mal d'argent. Ça serait bien de chercher des grenouilles. Les grenouilles, j'en avais pas chopé. Ah si, il faut que je les fasse reproduire, ouais. Si, ça c'est une très bonne source d'argent, je trouve quand même, les grenouilles. Quand vous avez de la chance de tomber, il y a encore mieux, je crois, il y a les grenouilles à 160 Simflous de valeur. C'est encore mieux de reproduire bah, les... Les grenouilles qui valent un peu plus cher. Allez, ma petite Angel, de l'argent, s'il te plaît. Faut que je surveille en même temps quand même les bébés, parce que bon, déjà là, on est en train de se barrer en mode on laisse des bébés tout seuls à la maison. Hein. Pour l'instant, ça va, ils ne se plaignent pas trop. Mais il faut faire quand même attention, hein. Le but c'est pas de se les faire prendre par l'assistante sociale. Bon, en soi, c'est pas un challenge perdu si l'assistante sociale récupère les enfants. Mais ça fait bah, du coup un point en moins. De toute façon, je commencerai à mettre un compteur à partir du moment où les enfants quittent la maison, parce que faire les bébés, c'est pas ça qui valide entre guillemets le bébé. Ce qui valide un enfant, donc du 100 Baby Challenge, c'est quand l'enfant bah, du coup devient adulte et bah, du coup quitte la maison par la même occasion. Là, je vois pas de caillou. Ah, ici on peut creuser. Je crois que c'était un caillou, mais non, ce n'était pas un caillou. Une carte au trésor, d'accord, bah pourquoi pas. Pas de cailloux ici? Si, là. Dépêche-toi, parce que si les enfants ils pleurent, ça va être une catastrophe. Pourquoi elle voulait pas faire ça? Attends, où tu vas? Pourquoi ça fait ça? Calcaire et verron, je sais pas ce que c'est, mais ça doit peut-être valoir cher. Les bébés. Ils sont réveillés, mais ils sont bien, ils sont pas dans le bad. On va en profiter pour aller vite fait continuer à chercher des cailloux. Ça fera une bonne petite excursion. Et du coup, les grenouilles, on peut en vendre 2. On va les vendre. Attends, c'est bien 100 Simflous. J'ai cru avoir vu 120 Simflous, je sais pas pourquoi. Voilà, les coffres, comme vous m'avez dit, il faut les vendre sans les ouvrir, ça vaut plus cher. Certificat de naissance authentique. Bon, tu vois, on va les accrocher, les certificats. Au bout de 100 certificats, ça va être marrant, mais bon. Ah, il y en a un, par contre, il est pas bien. Je pense qu'il a faim. Et elle, elle est où? Allez vite, maman indigne. Ouais, je sais, c'est pas bien, Quinzel, ce que tu fais. Je sais pas comment elle peut... Je crois que c'est Angela, ouais. Je sais pas comment Angela, elle peut dormir quand Angelo pleure. Ça doit être compliqué. On va nourrir. On va allaiter. Allez, va t'occuper. Bien, allez. Allez. T'aurais dû courir pour ton enfant. Elle l'allait alors qu'elle pue. Elle l'allait alors qu'elle pue. Je dis ça, non, on dit rien, on dira rien. Elle aussi, maintenant, elle a faim, c'est ça. Nourrir. On va l'allaiter, pas de jaloux, hein. Voilà, pas de jaloux, on va parler aux deux. Là, on va prendre une douche. Mais pourquoi t'es triste? Tu viens de manger? Je comprends pas. Elle vient d'allaiter les deux. Allez! Allez, maman! Allez, viens! Est-ce que je vous avais dit Quinzel avec des jumeaux, c'est catastrophe. Il me dit pas qu'ils ont encore faim. Ils viennent de manger. Bon, on va apaiser peut-être. Ah, bon, ils ont arrêté de pleurer, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, on va s'occuper un peu d'elle maintenant. Oh la pauvre. Oh la pauvre, je la plains. Élevée toute seule. Des petits bambins comme ça. Ça doit être compliqué quand même. Hein. Ça doit être compliqué. Moi, j'ai déjà du mal. J'ai du mal, hein, vraiment. Hop. Alors, ces boîtes-là, on va les vendre. Ça, c'est quoi? Ça, améthyste, on vend. Un verron. What? J'ai chopé un verron en creusant dans un trou? Alors, 50 Simflous, 140 Simflous, bof, ouais, bon. Et là, 70, bon, ouais, mais bon, ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, ça fait quand même pas mal d'argent. Donc, on va vendre... Voilà, ce serait bien aussi également d'écouter un petit peu ses envies. Discuter, bon, on va l'enlever ça. Flirter avec quelqu'un. Bon, on peut déjà commencer à devenir copain-copine avec d'autres hommes. Ça par contre, ça ne nous dérange pas. Ça devrait pas nous déranger. Bon, s'il y a un monsieur qui passe, on va guetter un petit peu. On va guetter s'il y a un monsieur qui passe. Mais en vrai, on pourrait faire des enfants vampires. C'est pas interdit hein, dans le 100 Baby Challenge. Dites-moi en commentaire si vous savez, mais il me semble que les bébés vampires, c'est pas interdit. Si on fait un bébé avec un vampire, comme ça après il pourra... Ce sera plus simple à gérer, non? Un enfant vampire. Ils sont tristes. Changer la couche sale. Changer la couche sale. J'ai même pas vu, j'étais tellement loin en fait que je voyais pas qu'ils étaient en train de pleurer. Alors nourrir, allaiter. Si elle allait tous ces gamins, ça va être compliqué. Vous imaginez une mère qui allait tous les bébés, tous ces bébés, sans bébé. Et après, on va lui demander de s'entraîner, tiens. Elle va l'apaiser. Et le deuxième juste après. Voilà. Allez, et on retourne au piano. Ah là là. Elle passe sa vie en sous-vêtements, cette fille. Elle a envie de faire quoi? J'ai pas de chaîne hi-fi. J'ai pas d'ordinateur. Ça, c'est quoi? Embrasser quelqu'un, ouais. Acheter un chevalet, non. Faire quelque chose de romantique. Améliorer sa compétence piano, ça on garde. Ça on garde. Danser sur la musique de la chaîne IFI. C'est dommage qu'on peut pas genre mettre de la musique sur la télévision, genre mettre MTV et puis danser sur la musique quoi. Enfin, ce serait logique quand même. Par contre, je suis désolée, hein, mais c'est catastrophe. Hein. Oh là là. Bon. Est-ce qu'ils ont faim? Bon, on va les nourrir au biberon pour changer. Je vais juste vérifier dans les options que je suis bien en mode de vie normal. Normalement, oui, mais dans le doute, je préfère vérifier. Ouais, c'est dans le gameplay. Oh, espérance de vie, Elvie. Faut que je mette ça en normal. Aïe, 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 Quinzel, Quinzel. Peut-être qu'il serait déjà devenu bambin. Non, je déconne, c'est pas vrai. Bon, ça fait qu'une journée qu'ils sont avec nous, donc à la limite, ça va, mais bon. Voilà, voilà. Alors, pour notre petite Angel, il reste des restes. On va donner des restes. On va changer ça, on va changer ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc cool? Appeler quelqu'un au téléphone. Ça, c'est possible. Surtout si en plus on a un jeune homme dans nos friends. Peut-être Julien. Geoffrey. Bon, allez, Geoffrey. On va discuter avec lui. Bon, il est marié, je sais, vous m'avez déjà dit. Brant is homosexuel. Brant is marié. Je sais, vous me l'avez dit dans les commentaires, mais je ne le savais pas. Et puis même si je le savais, je pense que je l'aurais essayé quand même. Ah bah tiens, Brant. Brant ou Brant, je sais pas, parce qu'apparemment, oui c'est Brant, apparemment il est marié avec Brant et ce sont des homosexuels. Et du coup, bah apparemment je l'ai reconverti, hein, parce que bon, apparemment, bah il nous a fait des bébés quand même. Donc oui, je ne le savais pas, mais bon, tant pis, de toute façon, faudra bien le faire avec beaucoup d'hommes. Donc on n'a pas trop le choix, au final ils vont tous y passer, j'ai envie de te dire, hein. Et là, c'est planifier un rencard. Bah, pas pour le moment, vu qu'on est un petit peu bloqué avec les bébés. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est quelqu'un. Rencontrer une nouvelle personne. Ça, on peut garder, par contre. Si on pouvait, s'il y avait une personne dans le coin qui passait par hasard. Là, par exemple, là, il y a un... Ah non, c'est... Oh, oh non, c'est Geoffrey. Comme par hasard, je voulais rencontrer une nouvelle personne. Là, il y a quelqu'un qui passe. Même si c'est une femme, ça dérange pas, on peut lui dire bonjour. Présentation amicale. Ah là, il y a, je crois qu'il y a un monsieur que nous ne connaissons pas. Jacques Villarreal. Bon, il peut quand même, il peut... On peut quand même tenter hein, de parler avec. Hein. Pourquoi pas ? On peut commencer à, on va dire, faire évoluer nos... Oh, par contre, le bébé, il est pas content. Allez, go l'apaiser, maintenant. Ouais, c'est compliqué de sortir quand on a des bébés qui pleurent. Oh, mon Dieu. J'aimerais bien qu'ils deviennent des bambins à cet épisode-là, ce serait trop cool. Viens, là. Voilà. Voilà, va au pipi room. Et on va... Alors c'est vrai que arrivé à un moment où si on peut faire composer des musiques et les vendre comme un peu les livres, et ben ça va nous arranger parce qu'on sera plus trop obligé de travailler, on pourra s'occuper d'autres choses pendant que l'argent viendra régulièrement tous les jours. Et ça c'est cool. Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Angelo et d'Angela. Nice. Alors, on va... les nourrir. Là, franchement, si je les nourris pas assez... Apaiser. Voilà. Et on va jouer un concerto ensuite. Allez, dormez. Dormez les bébés. Alors là, je peux pas... Comment je fais pour les faire grandir dans le 100 Baby Challenge? Faut que j'attende qu'ils grandissent d'eux-mêmes, c'est ça? Ou je peux les faire grandir à partir du moment où ça me dit qu'ils vont être... changés d'âge. Est-ce que je peux changer d'âge ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on attende qu'ils grandissent par eux-mêmes? Je crois qu'il faut qu'on attende. Hein. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de foirer, donc je vais peut-être pas leur changer d'âge. Mais je pense que de toute manière, le lendemain, ils vont grandir d'eux-mêmes. Bah, elle dort pas. Elle est flippante. Elle est flippante. Il va te reposer, profites-en pendant que c'est calme. Ce sera pas aussi calme tout le temps comme ça. En bambin, ce sera encore pire de toute manière. Et maintenant, c'est debout, changer la couche. J'espère que les bébés, c'est pas comme ça en vrai. Hein. Je sais pas s'il y a des mamans qui regardent ce let's play, mais s'il y a des mamans. Et est-ce que dites-moi si c'est comme ça dans la vraie vie, parce que se lever 2 fois dans la nuit, mon dieu. Je sais pas si j'aurai la foi. Ah voilà, ils sont en train de dormir, merci. Ah, bonjour. Je t'ai pas vu, Brant. Faire quelque chose de romantique. Bah tiens, faire quelque chose de romantique, ça tombe bien. On va l'embrasser. Non, vite! Vite, rattrape-le avant qu'il parte. Par contre, t'as les bébés qui pleurent. Est-ce que c'était romantique? Embrasser quelqu'un encore? Bon, y a pas de problème. Y a les bébés qui pleurent, mais c'est pas grave. Embrasse vite fait. Apaiser et apaiser. Faire crac-crac avec quelqu'un. Bah on peut faire crac-crac. Hein. Et ton autre bébé, tu t'en occupes pas? Oh non. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. Oh mon dieu. Je préfère aller faire crac-crac avec Brant que de t'occuper de ton bébé. Ah mon dieu. Elle a osé. Alors ensuite, douche froide, c'est ça? Prendre une douche froide. Bah go prendre une douche froide. Flirter, ça on va garder aussi. Appeler quelqu'un au téléphone à 23 h, oui. Et donc là, flirter avec Brant et discuter avec quelqu'un. On va vite fait, hop, discuter. Quoique non, non, on va pas le réveiller. Pas d'abord, je sais pas. Est-ce que si tu les apaises, c'est bon ou est-ce qu'ils ont faim? Je ne sais pas comment savoir si le bébé il a besoin de manger ou pas. Bah, de toute façon, je pense que si on les apaise et qu'ils sont pas contents, c'est qu'ils ont faim. Là, c'est bon. Le pauvre va se dire, mais pourquoi elle me réveille celle-là? Elle chante. Elle chante cette femme. Elle m'a réveillée. On va inviter à rester dormir déjà. Et on va dire flirter, on va draguer. Discuter avec quelqu'un. Amical. Conversation, tiens, voilà. Ça, c'est quoi? Enlacer quelqu'un. Enlacer, c'est dans romantique, il me semble. Enlacer, enlacer. Voilà, enlacer. Là, je peux pas appeler quelqu'un à 1 h du matin. Ça va pas ou quoi? Enlacer quelqu'un, ça, non, je ne peux pas. Rencontrer une nouvelle personne. À moins qu'il y ait quelqu'un qui passe ici la nuit. Je disais oui. Présentation amicale. Voilà, ensuite il va falloir faire quoi? Planifier un rencard, non. Non, pas avec Brant. On a déjà eu des bébés avec lui, ça ne sert à rien de planifier un rencard avec quelqu'un avec qui on a... Oh non. Bon, on va remplacer. Et après tu reviendras changer la couche seule. Oh, bah je crois que l'autre personne, elle s'est barrée. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Et qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Faire crac-crac? Encore? Ah bah dis donc. On va garder, parce qu'il faut qu'on gagne des points. Ce sera plus simple pour la suite du let's play. Après, on va le réveiller. Il va dire, mais plus jamais je dors chez cette femme. Elle me réveille H24. Allez, vite, crac, crac. Vite fait, bien fait. Oh. Et un SMS. Est-ce qu'on peut envoyer un SMS en pleine nuit? Ça dérange moins que d'appeler, je pense, non? On va nourrir. Au biberon, pour changer... Ah, parce qu'ils viennent de faire crac-crac en plus. Pas que ça change quelque chose, mais... On ne sait jamais. Planifier un rencard. Mais elle veut toujours planifier des rencarts. C'est terrible. En fait, il fallait que je la pèse. Elle n'est pas faim. Voilà. Et on va jouer un concerto pendant que tout le monde est en train de dormir. LOL. La meuf, tranquille, dans le plus grand des calmes, elle joue un concerto en pleine nuit. Alors, il y a ses bébés qui dorment. Il y a le père de ses enfants qui dort. Hein. Je pense qu'ils ne sont pas mariés non plus, mais bon. Ah, mais t'es chiant, Angelo, hein. T'es vraiment chiant, hein. Il est vraiment très chiant. Bon, est-ce qu'on peut envoyer un message? Ouais, tiens, lui, on va envoyer un SMS de bonheur. Et on va nourrir. Le dîner, hop. Bon, toi, tu commences à avoir faim. Est-ce qu'on a encore quelque chose à manger, d'ailleurs? Non. Du coup, on va servir le petit déjeuner, salade de fruits, tiens, parce que bon... bon, c'est pas que je suis pour le régime, mais quand tu sais déjà à l'avance que la petite Angela, elle va devoir accoucher sans bébé, tu te dis qu'il faut faire attention à la ligne, quoi. Même si là, pour l'instant, même après des jumeaux, elle est plutôt pas mal, hein. Elle a peut-être pris des hanches, mais ça, je sais pas trop. J'ai pas envie de dire des conneries, mais j'ai l'impression qu'elle a pris des hanches. Je sais pas. Faudrait que je compare. Et là, je pense que les bébés vont grandir aujourd'hui et vont devenir des bambins. Il va falloir qu'on s'amuse à faire les pièces de rangement. Ah là là. Ah! Ouais, il va un petit peu pleurer, c'est pas grave. Ça les renforcera dans la vie. Ah, j'en veux plus. Les factures viennent d'arriver. Ah. Bon, ça va. Que dis-tu de rejoindre les groupes des avant-gardistes? Ça ira. Et allez. Go continuer. Préparer un repas pour groupe, j'en ai déjà fait un. Raconter une blague. Mais il n'est plus là, Brant! Arrête de penser à lui, il n'est plus là! Alors attends, elle a envie de faire quoi là? Raconter une blague, bah tiens, on va. Oh! Je sais pas si elle est enceinte ou pas. Non, peut-être qu'elle n'est pas enceinte en fait. Et là, on va pouvoir raconter une blague pendant que les bébés pleurent, encore une fois. Raconter une blague. Encore crac-crac! Ah non, devenir encheleuse. J'ai eu peur. Bon, à s'occuper des babies. Allez, on va les apaiser. Les deux, hein. On apaise les deux. Voilà. On joue un petit concerto. Oh non, mais t'es sérieuse, Angela? Laissez-moi jouer mon concerto, merde! Je veux jouer mon concerto, s'il vous plaît. Merci bien, les enfants. Alors, quand est-ce que vous décidez à grandir? Oh bah, les longs. Bon, je vais vérifier si je peux les faire changer d'âge ou pas, je reviens. Alors me revoilà, et du coup je suis allée voir. Donc pour les bébés, on peut les faire grandir quand c'est marqué que c'est leur anniversaire. Donc là, on peut les faire grandir. Pour les bambins, il faut qu'ils aient 3 aptitudes apparemment au max. Et pour les enfants, on peut les faire grandir quand ils ont un A à l'école. Pareil pour les adolescents, mais je trouve ça un peu trop facile si on les fait grandir aussi rapidement, puisque techniquement un enfant, enfin je crois, quand ils sont à l'école et qu'ils ont un A et qu'ils grandissent, ils deviennent adolescents, ils ont toujours un A, non? Enfin je sais pas. Bref, en tout cas je me renseignerai plus pour les autres évolutions, mais là pour les bébés on peut les faire changer d'âge et ça c'est cool. Donc comme ça avant de finir cet épisode là, ce serait cool quand même de les faire grandir. Voilà, donc on va les faire grandir dans cet épisode là, hein. Je vais pas vous faire un suspense comme dans les 3 premiers épisodes, vous allez le découvrir dès à présent. Alors c'est plus de choix, changer d'âge. Et là pareil, plus de choix, changer d'âge. On va voir la tête des bébés. On va voir la tête des bébés. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, Angelo a grandi. On peut lui donner un trait. Alors pour le trait, il me semble qu'on met ce qu'on veut. Et je pense que le plus simple, ça reste quand même de mettre angélique ou indépendant. Alors, adorent leur liberté, n'apprécient pas de recevoir des ordres. Ils améliorent davantage leurs compétences lorsqu'ils sont seuls, ont besoin de moins d'attention que les autres bambins. Ou bien angélique, des bambins faciles à vivre, voire idylliques, qui ne provoquent jamais les adultes et ne piquent jamais de crise. Ils parlent également facilement aux inconnus. Alors, je ne sais pas, j'hésite entre indépendant et angélique, parce que bon, espiègle, dynamique, charmeur, pot de colle, curieux ou pénible, je pense que c'est pas forcément... Bon, le pire, ça serait pénible. Ou dynamique même, voire même pot de colle. Si elle a plein de bébés, ça va être compliqué. Mais je pense que indépendant, angélique, c'est les deux meilleurs. Mais après, indépendant... n'apprécie pas de recevoir des ordres, c'est juste ça qui me dérange. Mais après, s'ils sont indépendants, c'est mieux. Après, vu que c'est les premiers bébés, du coup, on peut quand même bien s'en occuper. Je pense qu'on va prendre Angélique et pour les prochains, on testera l'autre. Mais du coup, dites-moi, vous, en commentaire, d'après vous, c'est quoi le mieux à prendre pour ça? Parce que moi-même, je ne sais pas. En tout cas, Angelo est beau gosse. Angelo est beau gosse. On va voir si Angela lui ressemble maintenant. Bon, par contre, elle a à moitié les fesses dans le berceau, mais ça, je dis rien. Et voilà, voilà. Angela a vieilli, pareil, on va mettre Angélique. Hein. Elle est trop mignonne avec ses lunettes. Elle est trop mignonne avec ses lunettes. J'adore. On l'adore. Oh, elle est trop mignonne. Bon, eh bien, les bébés ont grandi. Je voulais vraiment vous les montrer à la fin de l'épisode pour vous faire plaisir, hein, pour ne pas faire trop durer le suspense. Mais du coup, ouais, mais c'est même pas des lunettes de vue, c'est des lunettes de soleil, lol. En tout cas, ces bébés, ces premiers bébés sont déjà très très beaux. Ils sont très beaux, j'aime beaucoup ces premiers bébés. Donc Angela et Angelo sont très très mignons, donc je suis contente. Voilà, donc on va terminer cet épisode sur ces moments. J'espère que l'épisode, comme d'habitude, vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des astuces comme d'habitude, parce que à chaque fois, je lis les commentaires et à chaque fois, bah, je découvre des choses qui pourraient me permettre de m'avancer plus facilement dans ce challenge-là. Et voilà, du coup, moi sur ce, je vous laisse, et comme d'habitude, 17h30 le mercredi et le vendredi. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour un live ou un prochain épisode. Cause she wanted me.